Bonjour la presse. Nous sommes anonymes. Nous sommes un secret. Nous sommes partout. Nous sommes un groupe de pirates, nous justifions Internet et nous condamnons les attaques contre Internet. L'église de Scientologie a tenté de changer le contenu libre sur Internet. La connaissance devrait être ouverte à tous. Ceux qui tentent de fermer l'accès au savoir et à l'information seront condamnés. Ainsi en sera-t-il pour la Scientologie. Elle sera fermée, due à leurs propres actions de censure du flot d'informations. La Scientologie a une histoire de destruction des vies de ses membres et ex-membres. Ils ont détruit le futur de leurs croyants et de leurs familles. Pour cela, ils devront être détruits le plus tôt possible. En ce moment, nous attaquons la Scientologie sur leur propre terre. Leurs pages web sont systématiquement fermées suite à nos actions. Une fois revenus, nous les attaquerons à nouveau. Cela se répétera encore et encore. Jusqu'à ce que la justice ait réclamé son droit envers eux. Si ça ne marche pas, nous nous renforcerons. Encore bien plus que ce qu'aucun ne peut imaginer. Nous synchronisons nos attaques sur leur rythme. Et bientôt, nous les attaquerons dans la vraie vie. Nous manifesterons sur leur terrain. Nous protesterons devant et dans leurs bâtiments. Nous devons avertir les gens, avant que leurs esprits soient contrôlés par l'église de Scientologie. Vous entendrez parler de nous. Nous sommes anonymes. Nous n'oublions pas. Nous ne pardonnons pas. Nous les réduirons au silence. Prévoyez-nous.